الحديث. Une nuit, je pleurais amèrement, ma vie gâchée. Je décidai alors de renoncer aux plaisirs absurdes et au temps perdu, et de composer un livre, Le Jardin des Roses, qui, lui, ne périra pas. Moi, humble soufi, j'ai essayé, dans les limites de mes pauvres talents, de consigner des thèmes dignes d'intérêt et d'une grande importance, en m'inspirant de mon expérience et d'exemples vécus. Puisse mon projet réussir. Dès lors, je me suis assis, dans le silence, des heures, peut-être des jours. Le temps était suspendu. Au sortir de ma rêverie, quand j'ouvre les yeux, mes compagnons souriants me demandent quel cadeau miraculeux je leur avais rapporté du jardin de la contemplation où mes songes m'avaient transporté. Je leur réponds, j'avais l'intention de cueillir pour vous des roses plein ma robe, mais quand je me suis trouvé dans la roseraie, le parfum des fleurs m'a enivré. Tellement que je suis demeuré interdit, que je n'ai pu faire aucun geste. Ainsi parlait à Bagdad, au XIIIe siècle, Moslihuddin Shirazi dit Saadi, lorsqu'il a composé le Jardin des Roses, en persan le Goulistan. Saadi était un poète persan. Le Goulistan est un recueil de contes, entrecoupé de poèmes. Parfois, les poèmes se glissent à l'intérieur des contes, parfois, la poésie jaillit des contes eux-mêmes, comme une source jaillit du sol. Ces histoires sont joyeuses, vives, déroutantes, légères. Elles nous font rire, nous déconcertent, nous émerveillent, nous étonnent, quelquefois nous instruisent. Montaigne disait « Je n'enseigne pas, je raconte des histoires ». Mais plus que nous apprendre quelque chose, sur je ne sais quoi d'ailleurs, on peut dire plutôt que ces histoires nous transforment. Dans le Mahabharata, la grande épopée indienne, l'auteur s'adresse à un enfant en lui disant « Si tu écoutes attentivement cette histoire, à la fin, tu seras un autre ». Henri Michaux, notre grand poète belge, disait à propos de ce même Mahabharata dans son livre « Un barbare en Asie » « Si tu racontais cette histoire à un vieux bâton, il reprendrait feuilles et racines. » On le voit bien, le Goulistan est plus grand que le Goulistan. Que Saadi me le pardonne, je n'ai pas tout gardé. C'est une forêt trop touffue et le temps nous manque. Humblement, j'ai opéré des choix de façon tout à fait arbitraire. Et ce que je vous propose est une manière de promenade à travers ce jardin merveilleux qu'est le Goulistan et où les roses sont des poèmes pleins de parfums et de musique. Le premier tableau est consacré, noblesse oblige, au roi. Le livre des rois. Un roi avait donné l'ordre d'exécuter un prisonnier. Dans son malheur, l'infortuné se met à insulter le roi avec une violence terrible. Dans ses vociférations, il fait usage des mots les plus bas, car celui dont la vie ne tient plus qu'un fil ne cache plus rien de ce qu'il a sur le cœur. L'homme désespéré ne sait plus réfréner son langage. Le roi voulut savoir ce qu'il disait. Un de ses ministres lui dit « Monseigneur, cet homme raconte que ceux qui répriment leur colère et accordent aux hommes le pardon sont aimés des dieux. »
Le roi fut ému par ces paroles et gracia le captif. Mais un autre de ses ministres s'écrie « Il ne sied pas à notre rang de proférer autre chose que la vérité en présence des rois. Sire, cet homme avait insulté votre majesté. » À ces mots, le roi explose de colère et lui répond « Ce mensonge était pour moi plus noble et plus doux que la vérité crue que vous venez d'énoncer. » Le sage n'a-t-il pas dit un mensonge bien intentionné ? Ne vaut-il pas mieux que la vérité qui sème le malheur ? Un roi voyageait sur un navire. Il y avait là un homme qui n'avait jamais vu la mer. Il tremblait de tout son être et gémissait de frayeur, terrifié par cette traversée. Ah, le plaisir du roi ! Ah ! En fut gâché car personne ne parvenait à le calmer. Un vieux sage qui se trouvait à bord demande au roi l'autorisation de parler à l'homme. L'autorisation lui fut volontiers accordée tant la situation devenait désagréable. Sur l'ordre du vieillard, on attache une corde à la taille du plaintif et on le jette à la mer. Le malheureux avale une grande quantité d'eau salée. Et quand il atteint la limite de la noyade, on le remonte à bord. Après quoi, il se tient tranquille, assis bien gentiment dans un coin. Le roi demande « Quel est le secret de tout ceci ?» Le vieux sage répond « Cet homme ne connaissait pas les affres de la noyade !» et ne pouvait par conséquent pas apprécier la sécurité relative qu'offre un navire. Un homme qui n'a pas été pauvre ne connaît pas la valeur de la richesse. Il y a loin entre celui qui tient son amour serré entre ses bras et celui qui guette la porte avec espoir. Un derviche dont les prières étaient toujours exaucées et qui était célèbre pour cela, arrive à Bagdad. Le gouverneur local, un tyran notoire, le convoque et lui ordonne « Dis une prière pour moi. » Le derviche s'exécute. « Oh, Dieu, prends la vie de cet homme. Pour l'amour de Dieu, s'écrie le gouverneur, quel genre de prière est-ce là ? » Le derviche répond « Mais c'est une prière bénéfique, et pour vous, et pour vos sujets. Vos sujets, elle les délivrera de votre tyrannie. Vous, elle vous délivrera de vos crimes futurs. » Ô vous qui tourmentez vos sujets, votre mort est préférable à votre oppression. Quand un homme est meilleur endormi qu'éveillé, mais sûrement qu'il est encore meilleur mort que vivant. Il est dit que le lion est le roi des animaux. Et le plus humble d'entre eux est l'âne. Bien que les sages pensent que l'âne, porteur de charge, vaut mieux que le lion, mangeur d'hommes. Âne infortuné. Bien que bête et stupide, tu es apprécié comme bête de somme. Décidément, les ânes et les bœufs valent mieux que les hommes qui les tourmentent. Un roi était atteint d'une certaine maladie, sur laquelle il convient de ne pas s'étendre davantage. Un collège de médecins
après s'être longuement consulté, blablabla, blablabla, bla, et après d'interminables conciliabules et reblablablabla, blablabla, blablabla, bla, finissent par convenir que le seul remède serait de greffer au roi l'organe d'un être humain présentant des caractéristiques bien précises. Le roi, bien sûr, ordonne qu'on parte, mais sur le champ, à la recherche d'un être présentant ces caractéristiques-là. On finit par trouver un jeune paysan qui répondait à toutes les conditions. On donne un peu d'argent à ses parents pour les consoler. Et on ramène le jeune garçon à la cour. Le juge, bien sûr, promulgue vite une loi qui autorise de verser le sang d'un innocent dès lors qu'il s'agit de la santé du roi. Au moment où le bourreau allait l'exécuter, le jeune garçon est saisi d'un immense éclat de rire. Oh! Ah! 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 Oh! Ah! 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 Le roi, surpris, lui demande: mais les raisons de cette joie incongrue au moment grave où il allait périr? Le jeune garçon répond: le devoir des parents est de protéger leurs enfants. Les victimes se plaignent au juge et demandent justice au roi. Et moi? Moi? Mes parents m'ont voué à la mort pour de vulgaires biens. Le juge me condamne à mort arbitrairement et le roi tire honteusement profit de ma mise à mort. À qui me reste-t-il encore de demander secours et justice? Tu veux connaître le désarroi d'une fourmi sous ton talon? Eh bien, imagine-toi sous la patte d'un éléphant. Un homme cruel et tyrannique, acheté à bas prix du bois de chauffage aux pauvres, et le revendait beaucoup plus cher aux riches, réalisant ainsi au passage d'énormes profits sur le dos des pauvres. Un sage vient le voir et lui dit: « Es-tu un serpent qui mord tout ce qu'il voit? Ou un hibou qui sème la ruine partout où il passe? Ne sois pas injuste envers les humbles, de peur que leur plainte ne soit entendue du ciel. Mais fier et arrogant, le tyran se montre furieux, entré, outré, offusqué, offensé, qu'on ose lui adresser à lui des reproches. Une nuit, des braises tombent de son fourneau sur un tas de bois et toute sa propriété est brûlée et toutes ses richesses partent en fumée. Et le tyran de gémir, de geindre, de pleurer, d'avoir tout perdu. Il s'écrie tout ébahi: mais comment le feu a-t-il pu prendre si vite? Le sage, passant par là, lui glisse à l'oreille: c'est les soupirs poussés par le cœur des pauvres qui ont soufflé sur les flammes.
Lemon.